Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous remercions le Seigneur pour le moment ça que nous pouvons passer dans la parole, selon ça que limité sous que nous. Que bon Dieu bénisse mon ami, que bon Dieu bénisse mes bien-aimés. Et maintenant, nous t'aimons aborder un sujet qui est assez entouré de confusion. Et c'est sujet qui est-ce un chrétien? Qui est-ce qui est un chrétien? Qui est-ce qui est un chrétien? Amen. Et donc c'est thème ça que le Seigneur mettait sous cœur matin hein. Parce que bien-aimé, n'a pas vivre dans une société côté que chaque monde gagne yon pensée ou bien yon idée de non ça. OK? Et nous rencontrer pas mal de gens et gagne monde qui dit bon moi-même son chrétien orthodoxe, moi son chrétien catholique, moi son chrétien mormon, moi son chrétien témoin de Jéhovah. Donc bon, pas penser que yo dit témoin de c'est témoin que yo dit oui, mais donc terme ça yo vinn créer confusion et nous là nous penser avec toute et façon que le monde ouais qui ça chrétien et eh bien et fondement biblique là n'est pas établi à travers toute définition ça yo, à travers toute idéologie et l'homme ça yo, ça vient faire que yon moun k'ap vini comprendre qui ça chrétien est, eh bien l'a entré dans pile confusion. Donc jodi a nous t'a remé établi selon la Bible, selon ça la Bible dit. Et quand fait le Seigneur fait nous connaître que parole bon Dieu c'est yon lampe devant pied nous et yon lumière sous sentier nous. Mais bien aimé, c'était Antioche dans Actes des Apôtres 11 verset 26 et la parole de Dieu dit c'était Antioche donc côté créé Antioche que yo té relé et disciples chrétiens yo té relé disciples chrétiens. OK, donc ça doit faire nous comprendre que si un monde pas un disciple il est pas capable appeler chrétien, il est pas capable yo capable ou pas capable relé me chrétien si que pas un disciple. Et nous parlons puis devant qui ça yon disciple. Donc ça que le Seigneur mettait sous cœur matin hein, c'est que il fait me comprendre que yon disciple, le disciple est la phase d'apprentissage. Amen. Disciple c'est phase d'apprentissage là. Et chrétien hein, c'est phase d'accomplissement. Donc yon chrétien c'est un monde qui accomplit, c'est un disciple accompli. Alléluia. C'est un disciple qui accomplit. Et c'est un monde qui qui fin recevoir formation li et puis li prêt pour opérer. C'est un monde qui fin recevoir apprentissage, même gens qui sont capables d'entrer dans le travail et puis au bout 3 mois et pour capable apprendre tout système travail là et puis ou commencer capable opérer pour contre tout, même gens avec un monde qui était là depuis 10 ans. C'est simplement ça. Et donc ça veut dire bon Dieu et by l'homme yon temps pour être capable instruit selon son enseignement, selon sa parole, selon sa connaissance et tout ça que bon Dieu a instruit nous, les spirituels mes bien-aimés. Les pas naturel. Alléluia. Jésus-Christ dit Pierre, suive-moi. Il dit donc Jésus-Christ dit Pierre, suive-moi. Il dit chaque disciple, chaque monde que tu as rencontré avant que tu devienne disciple. Eh bien, il dit suive-moi. Aussitôt que ou recevoir appel là, et pour décider suivre Jésus, à ce moment-là, ou vinon disciple. Yon disciple, c'est moun qui choisit suivre yon moun. Amen. Et dans temps à vivre là, un peu moun confond qui ça suivre Jésus-Christ. Un peu moun a suivre yon sportif, yon sportif, yon moun kap et performer yon sport, gen moun kap suivre yon joueur football, gen moun kap suivre yon joueur basketball, gen moun kap suivre yon chanteur, yon vedette, yon konn tout sa manger, yon konn comment l'habiller, yon konn comment ki sa klan piel, donc yon suivre li jusqu'à ce que yon vin ressembler avec moun sa comme yon modèle. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même li dit suivre li. Et Jésus-Christ, mon ami, l'aide ou suivre lui, ça veut dire ou vin, pour vin représenter, pour vin représenter yon disciple qui accompli, il faut qu'on capable suivre Jésus. Maintenant, l'on aller l'école, un professeur pas suivre un professeur.
ou tande enseignement professeur ou tande et notion que ba ou yo et puis ou al étudier et bien ou capable sorti yon ingénieur yon docteur yon dans quelque soit carrière ou là-dedans et bien l'on fini li pa gen aucun impact lan personnalité ou lan vie ou vraiment li gagne simplement impact lan lieu côté ko pral dans lieu professionnel qu'on peut exercer métier ça mais il pas aucun rapport avec caractère avec monde que ou t'es avant mais Jésus-Christ il dit pour ça que suive-moi parce que lorsque suivre Jésus à ce moment-là ou vinn monde discipline ou vinn apprendre non phase de discipline disciple ou ouais, dans mot discipline dérivé de discipline et mot ça veut faire comprendre que nous-mêmes en tant qu'homme nous besoin yon discipline la caille nous besoin discipline nan caractère nous discipline nan façon que moi t'ap vive et puis moi besoin yon transformation amen. Donc mes bien-aimés matin hein, et le Seigneur mettait sous que nous et quelques versets pour nous capables apprendre et lui voulait faire nous comprendre que grand pile monde qui accepte Jésus-Christ yo simplement accepter Jésus mais il peut même entrer dans phase pour yon disciple. OK? Il peut entrer dans phase pour yon disciple parce que moun ki disciple c'est moun ki chita dans pied bon Dieu. Moun ki disciple c'est moun ki chita dans pied le Seigneur. Amen. Donc qui est disciple là? C'est moun ki d'accord suivre Jésus. Jésus-Christ capable l'eau, mais est-ce que d'accord suivre lui? Amen. Est-ce que d'accord suivre lui? Dans Matthieu 4 verset 19, il dit et suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. Lorsque suivre Jésus, il est capable de déterminer qui ça que ouyé. Il est capable de déterminer qui ça pour faire, qui mission que ou gagne. Amen. Et nous croyons que chaque monde qui entre à bon Dieu ou suivre Jésus, ou bon mission, ou bon devoir pour faire, ou gagne enseignement qu'on va recevoir et puis la bonté. Alléluia. La bonté. Donc, yon disciple ou entre dans phase d'apprentissage. Et moun ki disciple, c'est moun kap tande enseignement met la, enseignement de Jésus-Christ. Nous avons une histoire dans Marc 3, verset 32, côté que Jésus-Christ est entouré de yon foule que l'a enseigné. Il a enseigné foule là et puis maman Jésus avec frère Jésus apparaît. Il dit mais maman après l'eau de Yoa, mais maman après Léo parce que maman pas gain accès avec facile. Et puis Jésus-Christ dit qui est-ce qui maman? Qui est-ce qui frère moi? C'est il garde foule là. Il dit c'est moun qui tendait parole moi et qui mettait en pratique. C'est moun ça qui frère, c'est moun qui fait volonté papa, c'est moun ça qui frère, c'est moun ça qui maman. Ça veut dire yon disciple ou capable maman Jésus et si ko pa yon disciple eh bien ou besoin entrer dans formation ça pour capable eh bien yon disciple. Et mes bien-aimés, li impossible pour yon moun chrétien et puis pa yon disciple. Ça li impossible. Et de cet Saint-Esprit fait me comprendre que grand pile moun ki nan condition ça. Condition que aller l'église et puis yo simplement le pasteur a dit ouvri bibou tel côté il gagne pas même qu'on référence en bien il gagne pas qu'on bible en bien son seul livre que lié mais bien aimé même vous voulez dire que livre ça c'est bibliothèque dans ciel là son bibliothèque pour qu'on parle que lié dans ciel là parce que lit plein de révélations lit plein d'enseignements pour vous même avec donc et ça fait le Seigneur dit pas quitter livre ça loin de bouchou et et méditer jour et nuit, amen. Et jour et nuit selon la Bible, c'est du matin au soir. C'est du matin au soir. Nous-mêmes nous contribuer jour et nuit, c'est matin seulement. Et puis après-midi, la soirée tombée, mais nous quitter midi. Donc midi c'est le séparé matinée. Et le soir commence à 6h et matinée un jour là partie jour là c'est depuis l'aurore et puis arriver jusqu'à 6h. Donc on a poursuivre le Seigneur pas voulait pour que ou rester dans phase d'apprentissage là. Et gampil moun qui prend temps dans route là. Ça fait me comprendre gampil moun qui prend temps dans apprentissage là. Gampil moun qui prend temps dans route ça qui fait que
nous pas ka wè ou pas ka wè chrétien hein, dans lui-même. Les monsieur est arrivé à Antioche. C'était moun dans zone là qui wè façon que yo a opéré dans mentalité yo dans manière que y a vivre, OK? Dans conduite yo, OK? Yo repliquer exactement façon que Jésus-Christ teye le que l'ité sous terre là. Donc monsieur Sayo est comme si Jésus-Christ pas là mais conduite yo ou a dit c'est comme si Jésus-Christ présent dans la vie yo. Et ces jours-ci nous gan pile moun qui chrétien mais qui pas aucun Jésus-Christ dans la vie yo. Jésus-Christ absent, Saint-Esprit absent mais et c'est que l'or tendez ou dit bon est-ce que moun ça c'est chrétien? Oui, c'est chrétien. Est-ce que c'est qui comment qui croyant sous ou c'est chrétien? OK? Mais ou pas ouais signe de Christ dans la vie. Yo. Donc mes bien-aimés, le Seigneur mettait pas ça sous que nous pour nous capable porter correction avec idéologie ça, idéologie que moi c'est un chrétien catholique. Moi c'est un orthodoxe chrétien, moi c'est chrétien et toutes sortes de dominations. depuis que n'a loué même bon Dieu, pas rien problème. Hein? Non. C'est la Bible dit comme ça que on va reconnaître pied bois par fruit, par fruit que la baille, on va reconnaître pied bois. Et la robinet que bouchouillé, la robinet sort dégagé, ça que la vie ou émet là, attitude ou, eh bien, li pa ka bay yon bagay ki sale et puis la bay de l'eau sale et puis la bay de l'eau propre en même temps, li impossible. Yes, yon bon pied bois a bay bon fruit, yon mauvais pied bois a bay mauvais fruit. Ça veut dire moi même avoir mes bien-aimés, nous besoin instruction. Instruction ça, c'est li pral dicter qui est-ce que nous y est. Parce que nous avons pile correction, nous besoin faire en dicter la vie nous. Et c'est la parole de Dieu qui que le Seigneur mettait à la disposition nous pour nous capables et entrer dans formation. Dans formation discipline, c'est moun qui d'accord subit transformation. Discipline c'est moun qui d'accord suivre maintenant pour que maintenant changer là. Li prend volonté là pour le capable suivre Jésus. Eh bien Pierre était capable de dire non, m'pa suivre vous. Pierre était gen zèle pour Jésus. Mais ça fait nous comprendre que même la phase ça, gen quelques erreurs dans phase d'apprentissage, gen quelques erreurs et c'est dans phase d'apprentissage nous besoin faire erreurs. Il y a grand pile erreurs nous capable faire dans phase d'apprentissage et mettre là toujours là pour nous. N'appli et verset ça pour dans Luc 22 verset 31, OK, n'appli et à continuer. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères. Amen. Amen. Et le Seigneur et Pierre répond au Seigneur, il dit Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Donc dans phase ça et verset ça simplement grand pile pour nous capable tirer là-dedans. Ça c'est un disciple, un monde qui a suivi Jésus. Comprenez que et Pierre, il parle avec directement avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, au capable une révélation de Jésus. Pas confortable le fait qu'on puisse recevoir révélation de Christ, on puisse recevoir révélation côté que bon Dieu parle avec vous. Ça pas veut dire que ou converti. Ça pas veut dire que ou converti, ça pas veut dire que ou affranchi. Ça pas veut dire que ou son chrétien, ou son modèle de Christ. Non, bon Dieu simplement fort grâce pour révéler certaines choses, mais ou même ou besoin mettez en condition autour du maître pour chita dans la parole de Dieu pour capable attendre instruction maître là pour capable changer la vie ou connait mais qui ça la parole de Dieu dit on pas supposé faire ça parce que quand pile nous on a fait avant grand pile bagage nous on a fait avant nous t'a vivre selon décision pas nous décision nom nous décision pensée nous
Mais tout bagage ça a besoin de changer dans la vie nous. Amen. Ah, mais bien aimé, grand peu de bagage pour dire. Et nous croyons que nous avons obligé de faire un autre segment et pour nous capables d'exprimer tout ça que le Seigneur mettait sous que nous. Donc, la verset ça nous dit là, et le Seigneur connaît Simon, il connaît Pierre, capacité Simon. Il dit Pierre que m'a prié pour vous. Et grand pile là nous que Satan réclamait pour nous pas entrer dans route ça, pour nous pas entrer dans chemin ça. Mais le Seigneur voulait encourager au matin route ça ou pas qu'à entrer ou pas qu'à lire la Bible ou pas qu'à méditer sur la parole de Dieu. Hein? Route ça que ou est difficile pour appliquer parole de Dieu dans la vie. Satan regarde le besoin mettre en condition pour le cribler. Mais c'est que la phase d'apprentissage là, Jésus-Christ a intercédé pour Jésus-Christ et la Bible fait nous connaître que nous avons un avocat auprès du Père. Et qui a intercédé pour nous nuit et jour. Il connaît capacité. Donc, il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas parce que, you know, ce n'est pas parce que vous êtes bon chrétien, non. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait, non. Mais c'est un maître qui a intercédé pour vous. Un avocat qui a pris des forces. Mais vous-même qui s'en fait entre temps. Matin, hein, le Seigneur voulait qu'on avance l'enseignement. Il voulait avancer, appliquer la parole, tendre la parole et puis mettre en pratique dans la vie. Instruction ça c'est instruction pour nous. Regardez nous on cherche rafraîchissement pour la vie ou la vie éternelle ou rafraîchissement pour zo. Hein? Aïe. Donc, gain de bagaille mes bien-aimés, nous besoin rentrer pas seulement rentrer dans la porte là ou accepter Jésus-Christ parce que t'entendez appel bon Dieu sur la vie ou. Mais pas penser que ennemi après qu'on ça l'a gardé, l'a chercher criblé ou tant qu'on foma, tant qu'on paix. La cherche criblé pour capable sortir la route salut parce que plan c'est pour lui râler pour aller la même route avec et il y a une destination, il y a une destination mais bon Dieu changer route pour déjà mais c'est ou même qu'on y a là qui pour marcher la route ça pour marcher la route ça avec le Seigneur dans chemin étroit là il faut que vous demeurez dans la parole de Dieu, il faut que vous son disciple qui d'accord apprentissage là, il faut qu'on soit disciple qui d'accord ou modeler ou qui d'accord pour que mettre l'en briser ou pour d'accord pour modeler autant qu'on patte et puis bon forme que le voulait. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite il dit que la prière pour que la foi Pierre pas tomber, la foi Pierre pas ébranler, pas douter. Ouais, ça veut dire l'icône dimension, l'icône capacité Pierre. Et puis il dit pour ça que quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah! Quand tu seras converti, mon ami, affermis tes frères. Imagine-toi que Pierre t'a marché avec Jésus-Christ. Mais à cause que mettre l'apôtre que vous voyez. Alléluia. Amen. Présence Saint-Esprit dans la vie nous, il remplace Jésus. Présence Saint-Esprit dans la vie nous, il remplace Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ toujours là, présence toujours là. Présence toujours là. À cause de capacité que nous gagnons dans Saint-Esprit avec Saint-Esprit ba nous, OK? Nous capables performer et tout ça que ou bien appliquer dans la vie nous tout précepte bon Dieu. Yes, tout précepte bon Dieu. Nous pas camper message là parce que il y en pile, donc il y en pile, mais n'a dit ça. Bon Dieu connaît capacité ou. Il connaît et précepte li que le ba ou. Il connaît nature, il connaît que au fait de poussière et cendre. Li connaît tout bagay sa ou. Yes. Li connaît yo. Et li dit Pierre, quand tu seras affermi, gon moment nan vi ou pral affermi. Mais si ko pa rete nan phase d'apprentissage là, pour capable vin affermi, pour capable vin affranchi. Yon chrétien, yon disciple qui affermi. Eh bien, c'est pas ou même qui va dire que c'est chrétien. C'est moun qui va dire moun ça son chrétien. Moun ça son chrétien, mais on chrétien. Hein, moun cap vivre
Christ. Et nous besoin chrétiens ça ces jours-ci parce que l'évangile pour pas son puissance que l'il est. L'évangile pas prend frappe. Mais c'est que gagner des docteurs, gagner des pasteurs, des lourds ravisseurs qui a cherché tord des sens de l'évangile. L'évangile en lui-même toujours est en puissance. L'évangile en lui-même toujours était la parole de Dieu. Alléluia. C'est même parole ça que cet esprit t'a parlé à travers la vie de Jésus. Amen. Parole ça n'a pas changé. Alléluia. Parole a dit que le vivant, li efficace, li capable trancher âme et esprit, tant qu'il y a une épée à double tranchant pour le capable juger les pensées des cœurs. Parce que parole là c'est vérité que lié. Vérité pas là pour divine satire, non. Vérité là pour le capable transformer nous. Vérité là pour le capable retirer nous dans mensonge, dans réalité, là pour nous capable eh bien accepter ça que le Seigneur dit. Mais bien aimé, c'est que bon Dieu connaît faiblesse Pierre, il connaît faiblesse sous. Pierre pas connaît faiblesse lui. Pierre pas connaît capacité là. Parce que Saint-Esprit pour habiter là. Présent Jésus-Christ t'est devant là en physiquement, mais Jésus-Christ pas en dans Pierre. Jésus-Christ t'est connaît Pierre, mais Jésus-Christ pas en dans Pierre, il pas habiter là. Amen. Et le ko habiter parole bon Dieu dans la vie ou eh bien présent Saint-Esprit. Le accepter Jésus-Christ ou gain ou venir recevoir le don du Saint-Esprit ou gain Saint-Esprit avoir, mais ou besoin la parole de Dieu pour aider ou illuminer cœur, illuminer et intelligence ou. Intelligence, connaissance naturelle, connaissance spirituelle, toute intelligence, tout ça qui est spirituel, eh bien, c'est la parole de Dieu qui va activer toute connaissance ça, qui va activer intelligence ça, et ou capable de venir décrocher ça, que ça les sagesse spirituelle. Bien aimé, eh bien, bon Dieu connaît faiblesse, bon Dieu connaît faiblesse Pierre. Pierre déclaré à Jésus, ah, même si vous pouvez mourir, moi la vôtre. Même si vous pouvez mourir, moi la vôtre. Eh bien, disciple, dans l'apprentissage là, eh bien, il y a des erreurs que nous capables de faire. Nous capables de river même trahir Jésus. Nous capables de faire bon Dieu, toute qualité promesse. Ok? Toute qualité promesse. Et puis nous trahir promesse là. Hein? Nous trahis promesse ça. Mais Jésus-Christ te répond, Pierre, il dit comme ça que, dans verset 34, dans Luc 22, verset 34, il dit, Pierre, je vous le dis, et avant que le coq chante, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié trois fois. Amen. Et c'est pas seul Pierre qui t'a nié Jésus, ok, ou gagné Judas Iscariot, qui t'a trahi Jésus. OK? Judas Iscariot t'a trahi Jésus dans Luc 22 verset 3. OK? Satan entra en Judas et puis pour t'a livrer Judas, mes bien-aimés. Donc, yon disciple, gen possibilité pour que Satan habite ou. Lòk ou parete dans l'enseignement, lòk ou parete dans la parole bon Dieu. Hein? On moun ou capable accepter Jésus-Christ et mais bien aimé, ça sont bagages qui est à supposer impossible, mais il est possible parce que nous avons des chrétiens ces jours-ci qui, je n'ai pas expliqué que nous sommes capables de dire nous avons des disciples qui paraitent dans la ligne de conduite, dans la ligne d'enseignement, dans la ligne d'instruction pour recevoir instruction pour la vie éternelle, pour conduire. Parce que des classes qu'a bon Dieu, des classes où besoin passer qu'a bon Dieu. La vie où chargé erreur, la vie où dicter la vie où grand pile faute, grand pile et virgule qui manquait, grand pile mot ennemi a t'vinn retiré, grand pile bénédiction ou perdu, mais où besoin eh bien changer power, où besoin changer et façade que ou supposé gagner dans bon Dieu, où besoin changer face. Yes. Face naturelle là, eh bien ou besoin gagner une beauté spirituelle, c'est seulement à travers moment d'apprentissage ça. Yes, yon disciple c'est moun qui d'accord
recevoir marcher, qui d'accord marcher la phase d'apprentissage ça pour lui changer manière de vivre. Donc n'a fermé moment ça, moment d'instruction, moment d'enseignement ça et pour l'autre dans l'autre phase n'a capable et compléter et si que le Seigneur capable mettre sous que nous toujours pour nous parler plus n'a font un troisième segment et pour nous capable déterminer qui est-ce que moi y dans qui limite que moi est-ce que moi c'est un chrétien est-ce que moi c'est un disciple qui fait débuter avec bon Dieu, qui ça me connaît de bon Dieu, qui phase que moi y est, est-ce que moi accompli, est-ce que moi fait commencer la carrière bon Dieu, oui, parce que c'est pas une question de temps, dans l'évangile, mais c'est une question de quantité temps ou passé la parole, quantité temps qu'on passe avec maintenant, quantité temps ou bail tête pour enseigner. Pour enseigner, il y a des gens qui font 4 ans d'études, il y a des gens qui font presque 8 ans d'étudier. Mais leur sortie dans l'étude, eh bien, la vie n'a pas changé. Ils ont simplement décroché un diplôme, ils ont décroché un master degree, et un doctorat, mais qui n'a pas changé. Donc, vous avez besoin de suivre maintenant pour capable changer. Vous avez besoin de suivre Jésus-Christ pour capable changer. Gloire à Dieu. Donc, je vais sous mon saillot. Et nous prier que le Seigneur lui-même lui fait le bon dépôt dans la vie, ou que le Seigneur éclairez-nous la parole sa yo. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis chaque de nous, bénis chaque oreille, bénis chaque cœur qui recevra parole sa au matin, Père de gloire. Parole que tu gagnes pour la vie nous aujourd'hui. Et nous prier, Père de gloire, on va porter correction, on va diriger par nos Seigneur Dieu. Conduis-nous vers ta montagne sainte. Conduis-nous vers toi. Fais que Dieu nous fixe sous nous-mêmes en tant que maître pour nous suivre. Et ça ferait les têtes enseignant. Ou c'est enseignant nous. Ou c'est nous-mêmes qui viennent corriger. Ou viennent dresser tout ça courbé dans la vie nous. Que tout bon Dieu dresse tout ça courbé dans la vie nous. Tout ça que t'es tordé nous. Tout ça que la vie t'est montré nous. Et bien que le Seigneur renverse forteresse ça nous dans la vie nous. Que bon Dieu ramène des pensées à l'obéissance de sa parole. Gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse, on a pour l'autre segment. Et si que vous sentiez, si que vous intéressé pour attendre l'autre segment, et nous prier que on va brancher avec nous encore une fois, et pour que vous capable d'édifier dans nous et activer l'intelligence spirituelle. Que bon Dieu bénisse.